fabrication et la façon dont c'est fait par nous, ça c'est unique. Ça, on le sait. Ah oui, c'est ça, d'accord. Alors, pour faire des revenus, donc par exemple ici, je suppose que vous avez été invité peut-être alors par... Oui. Autrement, vous organisez des événements et puis... Oui, nous, on est toujours invité par des organisateurs ou bien privés, comme c'est aussi, ou pour des conférences ou des projets artistiques, des festivals, des centres culturels, des centres artistiques, etc. Oui, parce que même avec nos subventions, on peut aller nulle part, on ne peut pas payer. C'est comme aller jouer un spectacle, les artistes sont payés. Ah oui, bah oui, c'est, oui. C'est justement, je me disais bien qu'il faut bien faire son revenu d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc je me demandais un peu. Et donc, vous faites fonctionner uniquement comme ça, vous ne faites pas par exemple des soirées où vous faites de la publicité, puis vous dites telle date, tel soir, on fait un événement Enfin, on est en train de réfléchir sur des applications plus commerciales, surtout dans le secteur du tourisme, au secteur du patrimoine culturel. Par exemple, on a fait un test au château de Pierrefonds, comme on a dit, pour les gens moins mobiles. Et donc, si on pourrait explorer ça plus loin, on aimerait bien faire éventuellement un spin-off et puis avoir un autre type de travail qui ne va pas embêter le travail purement artistique, parce que ça, le travail artistique n'est jamais profitable, économiquement rentable, mais par contre, si on peut avoir un certain nombre de formats qu'on peut appliquer dans des sites historiques, dans des situations touristiques, on est en train de... Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, oui. Ah oui, tout à fait, oui. C'est comme une carte de monde qui est ouverte et aplatie dans la place. Parce qu'on voit le caméraman qui est à gauche et à droite, c'est une même personne qui est derrière. D'accord. Donc, et sur la carte, on voit une partie de l'image qui est derrière. Pourquoi est-ce que ce vidéo, il est préprogrammé ou est-ce qu'il réagit en face de ce que l'assistant elle fait? Non, l'image là est préfilmée bien sûr. Ah oui. Et c'est lui et les capteurs qui décident quelle partie de l'image est montrée en fait. Et envoyée dans ses lunettes vidéo.